Salut Corinne. Ah bonjour Étienne. T'as trouvé des choses intéressantes du coup? Eh ben oui, écoute, j'ai trouvé des ingrédients qu'on avait commandés pour faire un atelier justement de cosmétiques. Ah, c'était pendant la caserne du bien-être, c'est voilà, ça? Voilà, et du coup, ben, on n'avait pas pu tout réaliser suite à la situation, la Covid. Mm-hmm. Voilà, donc ils étaient encore en sachet fermé et tout. Hein. Donc du coup, voilà. Super, mais du coup on peut préparer quoi avec ces produits? Bah écoute, j'ai pensé à une crème hydratante. Ouais, voilà. Bon, tu vas m'expliquer comment on fait ça? Oui, voilà, donc j'ai préparé le matériel. Alors, donc, quand on veut réaliser des cosmétiques, ce qui est important, c'est l'hygiène, la désinfection. Donc, il faut bien se laver les mains, voilà, et désinfecter son matériel. Donc, pour désinfecter le matériel, on a la solution de l'eau chaude, voilà. Donc, j'ai fait chauffer de l'eau chaude et je rince mon matériel. Ma cuillère. Les pots, ce n'est pas la peine parce que quand on vient de les acheter, ce n'est pas la peine. Alors donc, pour désinfecter, on a une autre solution aussi, au lieu de l'eau chaude, c'est d'utiliser de l'alcool à 90, mais bon, c'est plus onéreux. Voilà, donc franchement, moi je fais avec de l'eau chaude, c'est très pratique. Ça suffit largement. Voilà, ça suffit largement. Voilà. Donc ensuite, alors donc c'est la recette, c'est la crème hydratante. Donc pour cette crème, on a besoin de cire d'abeille. Voilà, on a besoin d'une huile. Donc moi j'ai utilisé l'huile de coco parce que l'huile de coco elle est très bonne pour plusieurs utilisations et c'est la moins chère. Voilà. Après on peut utiliser une autre huile comme l'huile d'argan ou l'huile d'avocat. Qui aura d'autres propriétés. Par exemple, l'huile d'avocat, elle est très bonne pour les peaux sèches. Pour les peaux grasses, c'est l'huile d'amamélis. Voilà, donc on peut utiliser une autre huile, mais qui est beaucoup plus aussi onéreuse. Voilà. Donc, voilà. On mettra aussi un hydrolat. Donc, un hydrolat, c'est un extrait de plante qui est obtenu de la même façon qu'on obtient les huiles essentielles, pour votre information. Par entraînement de vapeur, voilà. L'hydrolat, en général, c'est une eau florale. Voilà, on trouve ça en pharmacie. Hein. Voilà, il n'y a pas de contre-indication pour les hydrolats. Pas d'allergie particulière? Non. L'huile de coco, je vous ai dit, on peut la remplacer par l'huile d'avocat, mais on peut aussi la remplacer par l'huile d'amande douce. On trouve en grande surface ou en pharmacie. Voilà. C'est vrai que ce sont les deux produits qui sont à portée de main par rapport aux autres huiles. Mais après, tout dépend l'effet qu'on veut rechercher. Hein. Voilà, et puis voilà, pour sa peau. Donc, je commence. Donc, on commence par... Alors, il faut faire fondre la cire d'abeille. Alors, moi, c'est vrai que vous voyez que j'ai un petit matériel... Portatif. Mais on peut très bien le faire devant sa plaque, devant son... ses plaques électriques. Hein. Bon, tant mieux, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas ce genre de matériel, j'ai que la casserole de base, voilà, ça suffit. Voilà, c'est une simple casserole, il suffit de la désinfecter. Voilà. Hein. Ok, ben, c'est bon à savoir. Voilà, c'est pour ça que tout le monde peut faire ses produits à la maison sans se dire, mince, il faut que je fasse une dépense. Moi, j'ai acheté ça, c'est parce que je le fais dans ma salle de bain. Mm-hmm. Et du coup, c'est pratique, quoi. Voilà, donc il faut toujours commencer par faire fondre la cire d'abeille parce que c'est ce qui est le plus long à fondre. Hein. Donc il faut mettre 2 cuillères à café. Voilà, une.
et 2. Voilà. Allez. Alors, pendant que ça fond, par rapport aux récipients, vous pouvez utiliser des récipients de récupération, mais si c'est des récipients en plastique, il faut bien regarder le numéro, hein, puisqu'il y a des numéros qui ne sont pas réutilisables. Par exemple, le 1, ce n'est pas réutilisable. Le 5, c'est bon. Sinon, si vous avez des récipients en verre, voilà. Parfois, vous savez, les petits pots de confiture... bien, hein, voilà. Oui, ça me fait penser les petits pots de confiture grillotes, si je dis pas de bêtises, qu'on met avec le fromage. Oui, voilà, ceux-là ils sont idéaux. Ils sont pas trop grands, ils sont juste bien. Voilà, donc une fois que la cire d'abeille est fondue, voilà, ça donne ça, elle devient liquide. Hein. Ok. Voilà. On rajoute donc l'huile de coco. Donc c'est pareil, on rajoute 2 cuillères à café. Elle est solide. Alors l'été, elle peut être plus liquide, donc ça va plus vite. Mais l'hiver, bien sûr, elle se solidifie au froid. Donc une recette encore plus rapide en été. Ah oui. L'été, c'est vrai que... Voilà, une. Mais elles font très vite, hein, plus vite que la cire d'abeille. Voilà. Voilà. Donc, pareil. On mélange jusqu'à ce que ce soit fondu et mélangé à la cire d'abeille. Voilà, ça y est, c'est fondu. Oh bah super vite. Oui, ça va vite. Ensuite, on rajoute l'hydrolat. Donc moi j'ai choisi de l'eau de florale de rose. Voilà, donc 6 cuillères à café. Et donc, on met un peu plus doucement. Hein. Et pour l'eau florale, donc tu as choisi la rose, mais on peut prendre n'importe quel parfum. Alors il y a oranger, hein, vous pouvez faire avec la fleur d'oranger si vous en avez à la maison. Mm-hmm. Voilà. Il y a de l'eau florale de thym. Ah non, pas la fleur d'oranger. Ah, il faut pas. Non. D'accord. J'ai dit une bêtise. C'est une eau florale. Il faut trouver forcément en pharmacie. Hein. D'accord. D'oranger ou de romarin. Donc 6, j'ai dit. Hein. Alors, la préparation, elle est liquide, mais une fois que vous la mettez dans votre récipient, elle va se solidifier. Hein. C'est pour bien mélanger tous les ingrédients. Oui, c'est ça. Du coup, là, voilà, on a fini. Du coup, là, il reste plus qu'à rajouter un conservateur. Alors, c'est pas obligatoire, mais comme c'est une crème de jour et que on va mettre longtemps pour l'utiliser, il vaut mieux. Parce que sinon, il faut l'utiliser dans les 3 jours. Ah oui, en effet. Voilà. Alors, le conservateur, alors moi, j'ai pris du Gosgar, mais vous pouvez prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse ou de la vitamine E ou de l'huile de germe de blé aussi. Ah, elle résiste. Oh, bah dis donc. Oh, bah, qu'est-ce qu'il a cette bouteille? Ah, ça y est. Donc là, il faut 3 gouttes. Alors, par contre, l'huile, le Gosgar, l'huile à vitamine, le conservateur, il faut pas que ce soit. Il faut enlever votre récipient. Voilà, il faut pas que ça chauffe.
Voilà. Et du coup, il faut faire avant que ça se solidifie aussi. 3. Si vous en mettez une de plus, c'est pas grave. J'en ai au moins 6. Hein. Voilà. Voilà la préparation. Super. Et ensuite, vous mettez dans votre récipient. Et ça met à peu près combien de temps pour se solidifier? Bah déjà, ça refroidit très rapidement. Hein. Je pense qu'une heure, c'est bon. Hein. D'accord. Voilà. Voilà. Super. Alors moi je vous conseille au début quand vous vous lancez comme ça de vraiment de rester sur la recette, de ne pas en faire plus. D'abord d'essayer, hein, parce que comme ça il n'y a pas trop de pertes. Voilà. Et puis voilà, si vous faites des petits flacons, après ben voilà, vous pouvez changer. Au lieu de l'huile de coco, vous mettez l'huile d'amande douce petit à petit. Vous allez avoir envie d'essayer autre chose. Et c'est comme ça que petit à petit, on progresse dans la cosmétique. Mais je pense que tu as beaucoup à nous apprendre sur ces produits. Et je pense qu'on se reverra très vite pour d'autres recettes. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Eh bien... Bon, exercez-vous, hein. Franchement, je vous encourage, hein. C'est passionnant. Et puis bon, ça fait plaisir quand on se met la crème, on se dit ah, c'est moi qui l'ai faite. On sait aussi ce qu'il y a dedans, ce qui est important. C'est plus économique. Oui, voilà. Après, ben voilà, la pharmacie, vous trouvez tout. Et puis après, vous pouvez trouver, bien sûr, pour que ce soit moins onéreux, il y a des magasins spécialisés. Bon, je n'ai pas le droit de nommer, donc voilà. Ok. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt. À bientôt.